La 11e réunion extraordinaire du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine se tient à Libreville depuis ce 27 octobre 2022. Présidée par le ministre gabonais en charge du commerce, ce dernier a brièvement rappelé le contenu de la précédente rencontre. Lors de notre 10e réunion, tenue à Accra le 7 octobre dernier, nous nous sommes accordés de prendre 2 semaines pour conduire les consultations internes dans nos pays et régions respectives en vue d'élaguer les quelques divergences notées dans les projets de protocole sur la politique de la concurrence, les investissements et les droits de propriété intellectuelle soumis à notre attention. Yves Fernand Fumbi nourrit le vœu que les autres régions emboîtent le pas. Je nourris le vœu que les autres régions du continent emboîte le pas afin de favoriser une meilleure appropriation du processus de la ZECAF et donner ainsi à toutes les populations du continent de se sentir pleinement impliquées dans cette dynamique de construction de l'Afrique que nous voulons. La ZECAF vise à promouvoir et à atteindre un développement socio-économique durable et inclusif, l'égalité des sexes et la transformation structurelle des États parties. Aussi, renforce-t-elle la compétitivité des économies des États parties sur le continent et sur le marché mondial.